Super Mario 3D All-Stars. Sauf que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas Super Mario 3D All-Stars. Moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est... Super Mario Galaxy. Appuyez sur R, c'est 2007 Nintendo. Salut YouTube, OMG! Bonjour Monsieur Fidèle, le nom de mon père c'est... OMG, j'ai reçu le courrier les gars! Saurez-vous deviner ce qu'il y a dans ce courrier? What came in the mail today? Tu as reçu une lettre de la princesse Peach! Cher Mario, nique ta mère! Voilà, j'en veux pas! Arrête! Et si je les prends, est-ce que tu arrêtes de m'en donner? Jamais! Voilà, bon comment on joue maintenant? Ok. Oh, c'est une scène qui vient de se passer. Oh, let's go. Oh, ok, la perception des distances, c'est pas mal. Je pense qu'on est prêt. Hop là! Oh là là, oh c'est précis. Oh, c'est du gameplay de précision ce qui se passe. Il est très fort. Oh, ça va être une dinguerie, hein, les premiers niveaux là. Ok, je vole. Oh là là, oh je vole. Je vole. Ok, oh là là, masterclass. Il me restait quoi à faire? La grotte du donjon. Ah, germes infernales, j'avais pas gerbé à l'infini? On va gerber. Hein. Pas pourquoi j'avais pas fini. L'inévitable pluie de météorites. Ah ouais? Genre, je vais pas l'éviter moi? Ok. Ah oui, ça a l'air sympa ce qui se passe. Oh, ça va être une catastrophe là. Ouais, c'est bien, ça permet de rajouter de la difficulté au jeu à chaque fois. À chaque fois, j'oublie comment on joue. Ok. Oh putain, c'était vraiment inévitable. Je sais pas comment j'aurais pu faire pour éviter ça. Oh, j'ai failli ne pas l'éviter. C'est pas passé loin. Écoutez-moi bien, si je me fais toucher par une météorite, bah c'est pas bien. Oh, j'ai pas de pari là, j'ai pas de pari. Ça, c'est pas une météorite ça. Ta gueule. Voilà. D'accord. Est-ce que tu dois foutre le feu à ça? Ouais, vas-y, fous le feu. Allumez le feu. D'accord. Oh, bravo. Très très bien joué de ta part, au revoir mec. Au revoir. Bon alors j'imagine que si je vais à droite je meurs. Hein. Ah non, il y a des météorites inesquivables. Ah tu sais, elles sont vraiment dures à esquiver en plus. Non. C'est non. Oh non. J'ai appuyé dans une direction. Je crois qu'en plein milieu la caméra a changé d'angle. Et du coup faut que je m'adapte à l'angle de la caméra. C'est bien Mario hein. T'es vraiment qu'un sale petit con hein. Oh la vie. Ah, ils sont énormes ces trompes. Oui. Attends, j'ai dit de me faire pas toucher. C'est bon. Attends, il faut que j'ai le timing là. J'ai pas le droit de le faire toucher, sinon les autres vont se moquer de moi. Bien joué. C'est vraiment extraordinaire ce qui se passe. Ok. Vite. Oh, y'a rien. Littéralement rien à prendre. Ah si, y'avait ça. Oula, oula, oula. Oh non, j'ai vu. Non, non. Ouais, j'ai vu, mais je voulais pas voir. Oula, oula, oula. Merde. Ah, gougou, gaga. Mario cède littéralement à Gougou-Gigou-Gaga, hein, quand même. Gros bébé Mario. Hein. C'est moi. Oh, mais pourquoi? Vous étiez pas obligé d'être là, vous. Hein. C'est moi. Ouais, vas-y, viens. Viens, frater, viens, le frère. Yo. Ah, mais tu viens vachement vite, quand même. Ah ouais, je pensais pas que tu venais si vite. Attends, je me fais pas toucher par des météorites, moi. Je vais gagner. Il suit ou pas? Ah, où il est? Bah, qu'est-ce que tu fous? Je crois que non. Du coup, je pense que j'ai ma petite idée en tête. Comme d'habitude, hein, ça va être un plaisir, les billes-balles. On comprend jamais rien ce qui se passe avec les billes-balles. Ah bah super. Ah ouais. Ah on va bien s'amuser. Ah ok, donc y a pas que les murs qui cassent les couilles en plus. Les ennemis aussi ça marche. Eh bah super. C'est pas un bon jour. Ok, ne touche pas. Je vais t'attraper. Non, regarde-toi. Arrête. Oui. Oui, bravo. Bravo. Ah non mais quand ils travaillent bien, il faut leur dire aussi. Il faut les encourager à faire les choses bien. Non. Non, je refuse. Allez, viens. Je refuse. Pas la boule magique, pitié. Il est écrit, panneau d'affichage. Ah, je parle avec la boule. Écoute-moi bien, la boule. Si jamais tu fais de la merde, je te casse la gueule. Boule. Ah mais non, ta gueule. Non, non, vraiment, laisse-moi tranquille. Je pensais parler avec la boule, pas avec toi. Je parle. Oh là, oh l'erreur. Oh bah là si c'est inesquivable... Hop là. Oh, il perd son inertie. Moi, je pensais qu'il allait continuer d'avancer à la vitesse de la lumière, mais non, il réavance à vitesse 1. Il est passé de la 5e à la 1ère en une seconde. Coupe au montage, s'il te plaît. Ok, deuxième try. Pourquoi il n'y a pas le même nombre de vis, bizarre, non? Oh non, mais c'est de la merde à chier, voilà, faut le dire au bout d'un moment. Ça sert à quoi? Faire. Allez, deuxième try, c'est parti. Allez, c'est parti. Oh, je suis tombé pour la première fois. Oh, aïe, aïe. Voilà. Oh, il y a des trous. Ce trou mesure 3 cm de long. C'est faux. La musique me donne envie de mourir. Oh, vite, Mario.
Oh, y'a... Hop, ok, Mario. T'es prêt, Mario? C'est maintenant ton moment. À toi. Ok, c'est bon. Oh, Mario, arrête. Qu'est-ce que tu fais, Mario? Oh non, mais c'est trop petit. Mais putain, ça perd son inertie, c'est débile! Pourquoi? Est-ce que tu vas pas dans la même vitesse? C'est pas logique! I'm gonna suicide myself. Ah! C'est bon. Rien à foutre! J'en ai plus rien à foutre. Ah! Ah! Putain, l'inertie de merde! Ah! On a toujours rien à foutre! Je passe sur l'axe Y. Mais... En train de me brosser les dents actuellement, vraiment. Bertrand, vous êtes dentiste, qu'en dites-vous? Et vous, prêt à essayer? Je déteste ces contrôles. À la foutre! Ok. J'avais oublié, j'avais pas vu. Ok, attendez. On va essayer un truc. On va faire le chemin normal, hein, ce qui est une très mauvaise idée. C'est littéralement plus dur pour moi parce que plus ça dure longtemps, plus c'est dur. Littéralement. Vraiment, je ne comprends pas comment ça fonctionne. Ça, c'est à cause de la... Parce que là, si vous n'avez pas compris, c'est ça qui bouge, hein. C'est pas ma manette, hein. C'est pas pour rien que je mets ma main devant la gueule. C'est pour vous montrer, hein, à quel point je dois galérer dans la vie. Et bien sûr, je dois attendre 1h30 maintenant. T'as les boules ? Mario, je te fais confiance. C'était facile. C'est bien Mario. Bravo Mario. Oh là, j'arrive pas à croire que je l'ai fait du premier coup. C'est faux. Et le drapeau, putain, j'ai la ref. Here we go. C'est du langage de signe. Pour dire j'ai gagné. Première étoile de ce soir. C'est parti pour les gerbes infernales. La fin. Oh non. Oh my god. Dino Pyrene. Ah ouais, bah on le reconnaît bien. Et moi. Attention, Jazzer. On notera quand même que je me suis pas fait toucher une seule fois par les soi-disant météores inesquivables. C'est que je suis un vrai gamer. Enfin voilà, je suis un vrai gamer, je fais un gros con. C'est bon. Ayoyou, gagougou, gaga. Oui, Mario, d'accord. C'est pas facile. C'est volontaire. Encore. Ça, c'est pas volontaire. Ah, gougou, gaga. Bah, c'est. Bah, en fait, tu tombes dans la une fois, globalement, c'est perdu. Here we go. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je peux pas faire comme tout le monde et utiliser ma matière grise? Ta gueule, toi! Ok. Je le savais. Ça va. Agagougou gaga, encore une fois. Hein. Mario, faut changer de... Faut changer. Ah, malaise. Je crois qu'il manque un truc, les gars. Ouais. Je jette dans le canal. C'était pas une bonne idée. Au revoir, hein. Au revoir. Ça m'apprendra à vouloir prendre des sentiers... interdits. Rien à foutre. Ah, bah j'en ai quelque chose à foutre finalement. Ah non, pas encore. Pas encore, Mario, arrête. Pourquoi il fait ça? Mario, pourquoi tu passes par là? En fait, moi je suis spectateur. Moi je ne fais que commenter ce qui se passe sur l'écran. Mario a sa propre volonté. Comme par exemple, ne pas sauter quand j'appuie sur le bouton de saut. Ça, c'est Mario qui l'a décidé, ça. J'ai décidé. Pas toi qui décide. Mais du coup, faut aller où, là, OMG? Ouais. Allez, viens. Ok, c'était par là, heureusement. OMG, son de soucoupe à 800 degrés. C'est comme si chaque fois qu'on mettait quelque chose dans le feu, ça se concrétisait. Ok, là on est sur une boule mouvante. Ça s'est aussi concrétisé. La boule magique. C'est les météorites inesquivables, ça aussi, hein, je reconnais. Hein. Impossible à esquiver actuellement. Et hop, il a failli me foutre dans la lave, le bâtard. Quoi? Ah, mais oui, ça a bougé. Je me suis fait bait. Ça a l'air sympa ici. Ok, on va faire étage par étage, on va être logique. Bah Mario n'aime pas la logique. D'accord Mario. C'est pas grave, je voulais pas du tout ce morceau d'étoile qui est là-bas. Ah bah ça non plus, je le voulais pas d'ailleurs. Ça fait super plaisir que j'esquive tout. Enfin, je m'en fous. Voilà. Oula. Pauline, on a un problème. Ça vient se passer, je vous jure. C'est bon. Ça s'est bien passé, je vous l'ai promis, c'est ce qui est arrivé. Ça s'est concrétisé. Juste qu'on attende le prochain train. Voilà. Ça aurait pu être possible. Mais nique ta mère le jeu, OMG, nique ta mère l'arbitre là. Pourquoi la vie est si méchante? La vie. Elle est méchante. Pourquoi les gens sont méchants comme ça? Actuellement en train de me chier dessus. Je n'ai qu'un point de vie, faut que rien ne me touche. Tiens, qui voilà-je? Ok frère, c'est la première fois de ma vie que je vais te trouver utile.
chose de tout. De l'énergie. Ah oui, ah bah oui, c'est le moment préféré à tout le monde. Quoi ouais, c'est grave moi qui vous le donne là. C'est pas moi qui lui ai donné, je suis un peu dégoûté. Vous savez, je suis repu, et bah, ma pu alors, pu à nouveau. Et là, le champignon tombe dans la lave. Ça s'est concrétisé. La gueule ! Tout va bien, je suis à nouveau heureux. Je suis à nouveau heureux. Ah, gougou gaga! Ah ouais, mais là il est en feu là! Il fait très chaud. Je fais comment du coup pour lui casser la gueule si c'est en feu? La température ne descend pas. Ah, il faut attendre que ce soit pas en feu! Ou très peu. Hop là! Ah ouais, c'est en feu mais périodiquement quoi. Cela dure 3 jours ou plus. Non mec, arrête! Non mais mec, t'inquiète, tout va bien. C'est non. Arrête mec, arrête. Que... Première phase, c'est fait. Maintenant il est énervé, il est encore plus en feu. Il pue la merde. Mais OMG! Que. On va pas critiquer, c'est pas facile d'être un boss, vous savez. Je croyais que je pouvais le faire. Le coup de chaleur. Oh non, la boule de feu. Voilà. Non mais tu veux... Non, pas comme ça, Zinedine. Mais j'ai même pas mis mon cerveau en route une seconde. Depuis le début du live, hein, je précise. Excusez-moi, je recherche vite fait un truc sur cette planète là. La difficulté d'un boss lorsque t'es à la fin du jeu. Désolé, mais on a plus ça ici. Dommage. Les belles rires. Ça dégoûte. Non, pas la... Non, la blanche, c'est celle où t'as un point de vie. Mario, quoi, Mario... Je viens de le faire, tu me demandes de le refaire. Ouais, bah j'y vais. Un point de vie, qu'est-ce que c'est un point de vie? Bah c'est un point de vie. Attends, course dans la marmite? Comment ça, je me... Ah, c'est un niveau avec un point de vie? Ah, c'est du jamais vu. Ok, c'est parti pour le speedrun. Vous avez vu, je suis mort le plus rapidement possible. Il l'a dit, il l'a fait. Grand homme. Je pense que je vais difficilement faire mieux. Je peux dire un speedrun de quoi? Je peux appuyer sur vos boutons. Ok. Attention les chasseurs. Ok, on est serein. Oh non, pas ça! Non, je me souviens de ce niveau. Oh non, je veux plus me souvenir de ce niveau. Non, bah ouais, ok. Je vois où est la difficulté, effectivement. Je me souviens de ce moment-là. J'attends, je suis patient. J'attends. Je prends le temps. Bravo. Ah, pas besoin de stresser, voilà, il faut juste avoir les pieds sur terre. Là. Oh non, ça, là c'est le moment où je vais être choqué. Pitié, la caméra ne me prend pas. Ok, la caméra m'a pas prank. Mais cours, bordel, mais qu'est-ce que tu fais, mais cours! Impressionné. Et non. What? J'ai dit non! La vie. Je n'abandonnerai pas. Le jeu a voulu me pranker, là. Tu vas mourir. Non, j'aime pas ça. Ok, maintenant YouTube, il faut qu'on t'avoue la vérité, on a coupé au montage des moments où je suis mort, tel que maintenant. Nique ta mère. Eh ben non, c'est faux, j'ai first try. À la foutre. Pour une fois que j'ai vraiment first try. Ah oui, non, t'es... Ah oui, c'est vrai qu'il y a un petit moment au début. Oh, c'était pour rigoler, ça. C'est bon, c'est fini. Fini. Finito. 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 Attends, il manque des étoiles, là. J'étais dedans, et maintenant je suis dedans. Je vais où, là? Je vais aller affronter Bossoir, hein. Allez, bonsoir à tous. Je vais affronter Bossoir, les gars. Beaucoup trop chaud au jeu, en fait. Allez, c'est parti, mesdames et messieurs. On est tout simplement ready. Le moment est enfin venu. Veux-tu te rendre au... cœur de l'univers. Où t'attends celle qui t'est chère? Oui, j'y vais. Je suis prêt à la retrouver. Qui, déjà? Ah, Peach. Oui. Oui, ça, elle m'envoie des champignons de temps en temps. Faudrait un petit peu varier. Hein. Ta gueule! Tu te rends compte ou pas que tu gâches le truc? Waouh! Squalala! Ah ouais! On va détruire des planètes, hein, tout simplement. Tu dois les vaincre toutes. Mario, dieu de la destruction. Les forces du mal. L'intérieur du château est relié à une autre dimension. Ils sont par là! Halte-toi! Non, hâte, je sais pas, j'ai pas lu. Pourquoi tu crées des. Hein? Ah oui, d'accord, c'est un pont. Très bien. Oh, Mario, sa plus grosse démarche de gangster, là. Je sais pas ce qu'il a pris, Mario, mais je sais pas s'il a pas très hâte d'y aller, je crois. Hein. Usine Galactique. Qui détient la clé du destin de l'univers? Oh. Sondage dans le chat. Pourquoi t'as oublié la clé, toi? Je l'ai vu, là. Putain, on a récupéré. La clé du destin de l'univers, rien que ça, quand même. Hein. On parle de... C'est Bowser qui a kidnappé la princesse Peach, quoi, bref. Combat final. Je trouve qu'on va un peu loin. Parler. Non. Non, j'ai pas envie de parler. Bon, j'imagine que ça, voilà. La gravité est dans le rond. L'amour est dans le pré. Et maintenant, si je sors... Hop là! Lumière. Ok.
Ok, ok, ok. Je suis live, simplement en live actuellement, sur Twitch. C'est de la maîtrise pour le moment, uniquement de la maîtrise. Ok, ok. Ok Mario, ok Mario, ok vas-y, ok Mario. Ok, 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 ok Mario. C'est bon. Oh mon dieu, la glace maintenant. Ah, ça glisse. Étonnant, non? Ah, le goût comme ça glisse, faut pas que j'aille trop vite. Je m'effondrerai. Qu'est-ce que la gueule? Bah c'est loose. Ah c'est pas loose. J'ai tellement froid que j'en suis brûlé. Ah la glace C'est de l'eau. C'est bon. Ok le jeu. Le jeu fait des petits pranks hein. Réfléchis pas. Ça marche plutôt bien quand j'en réfléchis pas visiblement. Et vous, prêt à essayer? Ok ok, on est là. On est complètement présent. Oh non, encore des trucs qui tombent du ciel. Super, merci pour le one-up en tout cas. Pas du tout failli crever à cause de vos conneries. Je veux partir tout de suite. Oh les bâtards. On se casse. Y'a plus rien là. Bah j'ai sauté où? J'ai sauté où? T'as les boules. Ah ça va, mais j'ai sauté hein, tout le monde était moi. Tout le monde était moi, j'ai sauté, j'étais pas censé me le prendre. Oh c'est bon, ta gueule le voilà. Hein. C'est pas très gentil. Mais il fait n'importe quoi Mario. He's bourré. J'suis bourré. He's drink a lot of alcohol, Mario is totally bourré. Vous avez bu beaucoup ce soir monsieur hein. La foutre, la foutre. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Oh ok, c'est bon, c'est maîtrisé pour le moment. C'est volontaire. Pour voir si vous suiviez. C'est moi. Oh non. Bonjour. Au revoir. Je survis. Oh les cœurs, me voici. Je suis pas sûr, hein. C'est bon, tout va bien. Ok, j'ai beaucoup aimé ce moment, c'est faux. Vraiment, j'ai tout détesté. Mais vous l'avez manqué. Je vais me prendre l'autre. C'est difficile de savoir où on est. Hein. Ouais, ça va ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, y'a Emma qui est posée la balle. On va aller lui casser les couilles, tu connais. C'est pas fini. Je n'ai rien compris à où j'étais, en fait. C'est juste pas logique là où j'étais, hein. J'ai rien compris. Est-ce que j'aime cette partie du niveau? Pas trop, pour être honnête avec vous. Je comprends rien. Je comprends rien à l'internet. Je ne comprends pas pourquoi les ordinateurs sont si compliqués. D'accord. Oh, ça donne la gerbe ce niveau, hein. Ah, et Josh Jarving, hein. À la foutre! Oh le pro gamer. Mais what the fuck? Mario, sois moins con! Oh le nulos! Le concept de gravité, tu connais, non? Oula, qu'est-ce que c'est que ce sol? Il est bizarre ce sol. Oh non, bébé, bonsoir! Bonsoir! Eh bien, c'est ce que tu cherches! La princesse Peach est ici! Mario! Oui, j'ai reçu tes champignons, oui. Oui, j'ai reçu la photo, Peach. En piège jouable! Ah, c'est bon, on s'est gagné. Bowser ne va pas m'attaquer en plus? Trop sympa Bowser. Et non. Ok d'accord. Je vois bien qu'il y a 6 d'énergie maintenant. Mais je vais garder le combat final. Après ça c'est la fin du jeu. Je vais trembler. L'heure est enfin venue. Il est temps de mettre la touche finale à la grande planète impériale qui sera le cœur de mon nouvel univers. Ouvre bien grand tes yeux. Open your eyes. Soleil. Autour de cette étoile, avec Peach, je vais bâtir notre grand empire galactique millénaire. Rien que ça, hein. Et tel un nouveau Big Bang, mon empire s'étendra bientôt dans tout l'univers. Ah, moi je pensais qu'il voulait juste capturer Peach à la base, là, il est dans un délire, hein, Bowser. Avance là, Mario, je vais te faire disparaître une nouvelle fois pour toutes. Bisous, je m'envole. J'espère que t'as pensé à ne pas mettre des pièges qui pourraient te tuer hein, sur le terrain, ce serait con. Ah si, bah non. Bah t'en as encore mis, dommage. Ok, qu'est-ce que tu fais, Bowser? Wop, hop, 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 hop. Touché. D'accord. Je me sens mieux. Faut qu'on se mette d'accord sur une stratégie à adopter. Ok. J'ai appuyé. Ok. Ah voilà. Mais quoi? Je comprends pas. Il faut qu'ils se prennent les boules à pique là. J'en ai rien à foutre. Ah bah là ça marche là. Là ça marche, juste une fois sur 15 quoi. En tout cas niveau caméra c'est très agréable. Je sais pas si pour vous ça fait le même effet qu'à moi. Mais pour moi, sachez que c'est incroyable. Spin. Ok. Quoi? Mario, reviens! Oh, c'est bon, on est juste sur une autre planète. Ta gueule! Ok, bah pas ta gueule en fait. Ah, ma gueule par contre. C'est le carapace de Bowser! Oh, j'y vais au hasard. Hein. C'est pas facile. Hop là! On l'a eu. Quand tu veux, Bowser. Oh, tiens.
Ok, 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 on l'a, on l'a. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas du tout de quoi retrouver son énergie à l'infini. Hein. Oh, Jeff. Quoi ? Parce qu'il m'a touché, il s'arrête, quoi. Faire. Si bâtard. Hop là, alors, fais-moi le malin. Ah, dans l'esprit. Encore. Merci Energia. Abonnez-vous les gars pour me donner de la force. Voici le noyau du soleil. Oh, oh, oh. Oula, oula, il va se passer des dingues. Raté, vous nous avez raté. Ah oui, il faut qu'il vienne sur moi. Ok. Allez, bien joué Bowser. Bien joué le con, bravo le con. T'es con, t'es très con. Oui. Maintenant, faut que je lui touche la queue. Ah, super. Que... C'est complexe là, hein. Bah, super. Il est complet là, le bobo, hein. Faut lui en faire les vacheries, hein. Ok, ok, j'abandonne pas, je lâche Rin. Il esquive. Je lâche Rin. Quel beau gosse. Ah, mais elles sont de retour, les. Ok, les boules de feu restent à l'infini. Pas beau gosse. Dommage, Bowser. Hey, motherfucker. Conboula. Ok, ok, j'arrive. Regarde, je suis là. Conboula. Je suis encore là. Même jeu. Hop là. Alors. Hop là. Est-ce qu'il revient? Je vais apprendre à nager. Oh. Mourir, c'est pas facile. J'ai gagné. Oh mais non, mais j'étais en train de manger de fou là. Attends, là, je vais essayer de l'avoir de manière stylée. Je tombe dessus. Bon, bah non. Let's go! Bah voilà, tout est bien qui finit bien, on a sauvé la galaxie. Je sais pas vraiment comment on a fait. J'ai vraiment rien compris à comment ça fonctionnait exactement. Eh bien, nous avons sauvé la galaxie avec la taille de notre cul. Voilà. Et t'as encore rien vu. Comme l'univers ne se limite pas à notre cul, enfin, à part celui de ma noix. Il arrive un moment où, malgré la gravité, la galaxie se heurte au soleil. Explosion! Il n'y a plus de galaxie. Mais en fait, si... Ouais, je sauvais la galaxie, les gars. Ah oui, c'est vrai, on l'avait oublié, elle, en fait. Clairement, Mario était en mode, ouais, j'ai niqué Bowser. Attends, il manque un truc, là. Ah bah, elle est là. Elle est juste là, elle nous attendait. Bravo, Mario, t'es juste le meilleur. Oui. Ah bah, c'est vraiment pas fini. Objet Bowser est bourré, ça y est. Écoute-moi bien, Mario, là, hé. Toi, il est des champignons, tu peux te les foutre dans le cul. Ça, mec? Non, fais pas ça, mec, fais pas ça. Fais gaffe, tu vas tomber dans la lave pour une deuxième fois. A man has fallen. Ma galaxie. Mon univers, il s'effondre. Je m'effondrerai. Aïe aïe aïe. C'est fini. Ah vite. Ah dommage. Mais non, mais pas comme ça. On meurt là? Non, ça va. Ah Bowser, tu casses les couilles un peu, frère. Hein? Qu'est-ce qu'ils veulent? Les logis sont en train de nous sauver la vie. Ils se sacrifient pour nous. Un bon débarras. Quand un fils tape. Si les Todd veulent faire pareil, les gars, c'est le moment. Quand un fils tape. Si deux ou trois Todd veulent se jeter dans le trou noir aussi. Allez-y, on sait jamais. D'accord. Bonjour. Harmonie, tu viens de faire un enfant? Un bébé Nénuco est né. Et moi. Qu'est-ce qui se passe? De nouveaux bébés étoiles sont nés. Un jour, ils formeront sûrement une nouvelle galaxie. Une galaxie de bébés qui pleurent. Pas trop envie d'y aller. Hein. Lorsqu'une étoile s'éteint, elle se brise et vole en éclats. Oh, la poudre de bébé! Puis, lorsque ceux-ci s'amassent, ils forment une nouvelle étoile. Et ainsi... J'ai pas compris. J'ai pas compris. De retour à Hyrule, ça fait plaisir. J'ai Mario était dans le coma depuis le début, comme ça, chat de Bourg-Palette. Let's go! C'est beau, tout le monde fait la fête. D'accord, tu es avec moi. Alors la cuite, elle était pas mal la cuite, Bowser? Chaque nouvelle vie qui naît hérite de la mémoire des éclats d'étoiles. C'est aussi le cas pour vous? Oh bah super! Welcome! Welcome new galaxy! Mario, maintenant, il se prend pour un dieu, il est en mode « Ouais, bienvenue la galaxie, les gars !» C'est moi qui l'ai fait, celle-là. Ah, You're Mr. Gay, incroyable. Souvenez-vous, ce moment où on a croisé des lumas. C'est pas souvent dans l'aventure. Bon, c'est pas fini, hein.
il nous reste encore des choses à faire. Mais du coup, là, ce qui me reste, est-ce que c'est une nouvelle galaxie ou c'est que des comètes? Parce que si c'est que des comètes, l'enfer, hein. Fin. Un nouveau chapitre. La comète violette est apparue. Bizarre. Très bien. Et on est de retour sur le plateau. Oh. Sois le bienvenu, je savais que tu reviendrais. Regarde à tes pieds, des chaussures. Ce nombre indique la puissance stellaire nécessaire pour se rendre dans l'autre monde. C'est un monde où tu rencontreras un autre toi, qui n'est pas vraiment toi. C'est un autre moi qui n'est pas... C'est un sosie ? Mario ! Quand on meurt, on rencontre son sosie. Quoi encore ? Qu'est-ce qu'il veut, lui ? T'as reçu des abris, Peach ! Quoi ? Mais t'as pas besoin de... Je t'ai sauvé, Peach ! Lettre qui date d'avant le confinement. C'est ça, hein ? Comète violette, ah c'est ça du coup, c'est ça les fameuses comètes violettes. On va devoir refaire les mondes en difficile. Bon, comme c'est pas la partie la plus intéressante, on a fait une compile des meilleurs moments. Top 5 momentos de cometas violetas. Numéro 1, où sont les pièces? Il me reste plus que 10 pièces à trouver quelque part. Où ça, j'en ai aucune idée. Peut-être dans ton cul. Numéro 2, lunatique détester les enfants de 13 ans. Dans le fond, le 13 ans que j'étais te déteste. Ça tombe bien, je déteste les enfants de 13 ans aussi. Hop là, chè. Si vous êtes 13 ans, allez vous coucher, hein. Vous faites quoi là? Généralement, en convention, il y a un gamin de 13 ans qui va arriver et qui va dire « Pourquoi tu me détestes? Pourquoi t'as dit ça? Je l'ai fait !» Tout va bien les enfants, tout va bien. À tous les enfants de 13 ans, chè. Les enfants de 13 ans, outrés sur votre chat. Numéro 13, nouveau chemin. Une question me taraude. Vous pouvez passer par là ou pas? Je vais essayer. A man has fallen into the river in Lego City. Oh, je l'ai cherché. Oh, celle-là, je l'ai cherché, hein. Numéro 4, tu as ramassé toutes les... Tu as ramassé toutes les... Très grave. Bah non. Numéro 5, Boeing. Bah trop bien. Moi j'ai fait enculer alors du coup, hein. Ça va. Numéro 6, passe grave. Pas grave. Ça devient grave. Là c'est très très grave. Encore. Ça c'est extrêmement grave ce qui vient de se passer. Il suffit. Mario, est-ce que tu peux juste mourir au moins? D'accord. C'est vraiment très grave ce qui vient de se passer, hein. C'est clairement volonté de nuire. Nintendo déteste vraiment les enfants de 13 ans. Numéro 7, la chanson des cometes violetas. Vas-y, t'es le plus fort. Vas-y, Mario, gros con. T'as pas intérêt à me trahir cette fois-ci, connard. C'est ce niveau de l'envie de gerber. Ouais, mais ce que t'as pas dit, c'est que ce niveau est vraiment ultra archi pourri. Numéro 8, nuevo champignon. Surtout maintenant que j'ai un champignon assis. Maintenant que j'ai un champignon 6 pièces. Numéro 9. Merde. Numéro 9, Boeing 2. Ah ouais, ça c'est... On valide ça? Oupides. On valide ce pouvoir ici là? Je peux pas en sortir de cette merde en plus, c'est ça le pire. Péter un câble. Mario, je vais te tuer. Il entame alors une petite danse. Numéro 10. Lunatic est mort. J'aurais besoin d'assistance médicale, les gars. Putain, les gars, il fait tellement chaud, il y a de la buée qui se forme. Oh, Mario, c'est devenu un jeu d'hardcore gamer, là. Il se passe quoi? Oh là là. Putain, on l'a fait. We did it, gamers. C'est moi, le patron. Bon, on va re-sauver le monde une deuxième fois, j'imagine. Comment ça, l'on secourir cette petite échelle? Mais je l'ai déjà secouru. Arrête. Le livre, ouais, le livre. Il faut lire. Faut lire le livre. J'ai le grand plaisir de lire. Oh, ça en fait les gosses de 13 ans là, qui sont énervés contre moi. Bien, commençons. Cette histoire est inspirée de faits réels. Chapitre 1. Chapitre 8. Le vœu, le chagrin de la fillette, semblait ne devoir jamais s'arrêter. Luluma s'approcha et lui dit « Ta mère, elle est tellement grosse Ta mère, elle est toujours avec toi !» Les autres Lumas se rassemblèrent autour de la fillette et tentèrent de la réconforter. « Tu sais, ta maman, elle est toujours à tes côtés ?»« Dans ton cœur ?»« Non, c'est faux !»« Mais non !» La fillette était accablée de chagrin. « Le regard du Luma... » Le regard du Luma eut un éclat un peu triste, qui se changea soudain en un grand sourire. « Alors je vais exaucer ton vœu. Je vais me changer en étoile. Une étoile filante qui te permettra de voyager où tu voudras. » Le Luma s'illumina d'une vive lumière blanche et s'envola très haut dans le ciel, avant de s'abattre sur le sol avec une force inouïe. Le sol se mit à trembler, et une intense lumière blanche jaillit du trou dans lequel il s'était précipité. Des rayons de lumière jaillirent dans toutes les directions avant de se rassembler, de s'enrouler, pour finir par ne former qu'un long panache blanc qui devint... Le sexe.
d'une magnifique comète. Luma était devenue une étoile filante. La fillette ne comprenait pas ce qui se produisait sous ses yeux. S'approchant, un Luma rouge expliqua. Notre destin aujourd'hui en humain est de nous transformer en corps céleste. Un Luma vert poursuivit. Notre vœu de plaisir est de nous transformer en étoile pour apporter le bonheur aux personnes que nous aimons. Et un Luma bleu ajouta. Celui-ci est heureux, car il a pu devenir une superbe étoile. Et les Lumas tous en cœur. Alors tu ne vois plus les druides, maman. Merci, dit la fillette d'une voix presque inaudible, en prenant les Lumas dans ses bras. Depuis ce jour, la fillette ne laissa plus jamais un seul éclat d'étoile s'échapper de ses yeux. La comète étira fièrement son panache étincelant et mit le cap sur le village de la fillette. Une famille. Au fil du temps, la comète accueillant un nombre toujours grandissant de Lumas qui passaient leur temps à observer les étoiles. Aujourd'hui, nous accueillons un nouvel ami, dit un jour la fillette, d'une voix plus enjouée qu'à l'accoutumée. Nous allons faire du pain, un délicieux pain aux éclats d'étoiles. Les Lumas furent ravis. Ils se pressèrent pour rassembler les ingrédients. En elle-même, la fillette se disait « Je resterai pour toujours auprès d'eux. » Je ferai en sorte qu'aucun d'eux ne se sente seul jusqu'au jour où ils quittent la maison, et même le jour de leur départ. Je les regarderai partir en souriant, car c'est cela, la joie d'être mère. Bon. Fermant les yeux, la fillette se remémora sa petite planète enveloppée d'une douce lumière. Mais j'aimerais bien, une fois tous les 100 ans, retourner sur ma planète bleue, et m'assoupir sur les genoux de mon papa en caressant cette moustache qui fait sa fierté. Staline ? La comète poursuit toujours son voyage, emportant avec elle la fillette et les Lumas. On dit qu'aujourd'hui, étirant son étincelant panache blanc, elle abrite une très grande famille. Et, une fois tous les 100 ans, elle passe près de la planète natale de la jeune fille. Fin. C'est ainsi que se termine notre histoire. Je chiale, putain ! Le volume 2, vite ! Eh ben merci pour cette histoire incroyable. Putain, mais t'es déjà là ? Petite chose. Allez, on y va maintenant. Bah du coup, ça va être une épreuve finale. Plus finale que finale. Bon, cette fois-ci, vous avez bien compris, on n'oublie pas la clé. Elle me le sens, non, il est noué. Bah c'est littéralement le même niveau, non? Visiblement, c'est juste le même niveau, hein. Ok. Bah ça, j'aurais dû avoir des pièces violettes, j'avoue. Eh bien, qu'est-ce que tu cherches, la princesse Peach, là, ici? Oh putain, Kaamelott. Hop là. Taillage. Il est vraiment devenu plus dur, hein, OMG. J'ai gagné, hop là, morceau d'étoile, vous le savez pas, mais ça le tue instantanément. Voilà Mario. Bam. Ok. Hop. Allez, ça dégage maintenant, ça dégage. Mais non, l'étoile qu'on a déjà eue une fois, OMG. C'est con qu'on doive le refaire une deuxième fois quand même ce niveau. Bizarre, hein. En tout cas, trop hâte de le voir me retaper les crédits également. Oh, je veux juste voir Luigi. Juste voir L-U-I-G-I. Oh là là, la reine des abeilles, mon personnage préféré de la licence Mario personnellement. Et vous? Je peux pas passer les crédits. Quel était le combat le plus dur? Aucun. Si, Begoman, bien sûr. Trop dur, le boss. C'est non. Merci. Depuis les lointaines étoiles, je continuerai de veiller sur vous. Je m'en vais. Aïe, 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 Harmonie. Des gros bisous, Harmonie. Ah mais non, mais elle revient. C'est pas fini. Je pensais qu'elle allait disparaître. Oh my god! What the fuck? En vrai, dans la vraie vie, c'était une vraie surprise à l'époque. J'ai chialé. J'ai pas chialé. Ah ouais! Je joue Luigi. Quand tu vois une chose à l'air fragile comme celle-là, agite pour tout noyer. Bien cassé là. Hop là.